avec mariage. Une promesse ferme est faite entre la femme et le mari. Tu ne peux pas rompre cette promesse si facilement. Mais si cette promesse, s'il est basé sur des mensonges, des tromperies et des supercheries, alors ça peut fonctionner longtemps. Et je ne suis pas obligée de le faire fonctionner avec force. Rida, demander le divorce n'est pas une demande anodine. C'est une étape extrême. Tu devrais y penser émotionnellement. Qui t'a dit que j'y pensais émotionnellement? Pourquoi tu ne comprends pas? Si le mari et la femme ne parviennent pas à s'entendre sur une question importante, ils peuvent aborder des questions séparées. Regarde Rida. Aux yeux de Dieu, le divorce est la chose la plus désagréable. Est-ce que tu prendras quand même cette décision? Quand je pense à Daniel, je sens le sang de Saïm. Dis-moi ce que je peux faire. Ok, Rida. Je suis désolée. Ne pense pas à Daniel. Laisse tomber, oublie tout. Mais Rida, toi, pense au moins à ton enfant. Il n'a commis aucune erreur. Ne le prive pas d'un père affectueux. Qu'est-ce que c'est? C'est le même collier. Oui, c'est le cas. Tu as dit que c'était très cher. C'est un petit cadeau pour toi. Je souhaite que vous le portiez pour toujours. Ce manteau, est-ce le vôtre? Oui, ça l'est. Que s'est-il passé? À vous de me dire. Que puis-je faire? Vous êtes mon ami. Tu peux comprendre mon chagrin. Dis-moi, Aïsa, dis-moi, que puis-je faire? Rida, tu détestes Daniel autant que tu veux. Ne divorce pas. S'il te plaît. Rangé. Ta belle-mère appelle. Elle veut entendre votre décision de votre part. Tu peux y aller si tu as oublié l'amour de Saïm. Si tu n'as pas oublié, tu peux lui dire de partir. À partir de maintenant, elle n'a pas besoin de venir chez nous.